la Gironde. Entre les marais, la rivière, les forêts. Et tout près, l'océan qui gronde. Les gens d'ici n'ont jamais été très riches. Juste heureux de vivre. À l'air libre, comme on dit. Ou libre comme l'air. Isolé, ce bout du monde a attiré quantité de réfugiés. Espagnols, portugais, polonais, des prisonniers allemands et des soldats américains aussi. Tous sont restés. Ces gens, durs au labeur, se sont longtemps partagé une mine à ciel ouvert, le gisement d'huîtres sauvages de l'estuaire, gigantesque. Il suffisait de se baisser. Aujourd'hui encore, tout le monde se souvient, l'huître, c'était de l'or. Architecte, originaire de Bordeaux, Doudou est venu s'installer dans la région au milieu des années 70. Amoureuse de José, fils et petit-fils d'ostréiculteurs, elle n'a pas hésité à abandonner sa carrière et la vie en ville pour profiter, elle aussi, de ce petit coin de paradis. Il y a 50 ans ici, tu avais une partie où c'était, entre guillemets, des amateurs. C'est-à-dire qu'il devait y avoir entre 30 et 50 vrais professionnels qui étaient ostréiculteurs. Et après, les 3000 personnes qui vivaient en partie de l'ostréiculture, c'était des gens qui avaient un autre métier, il y avait des agriculteurs, etc., et qui profitaient de la période de drague qui était ouverte à tout le monde, qui détroquaient et qui revendaient les huîtres aux courtiers, et ça partait en Charente, Arcachon, peu importe. Mais disons que c'était un peu le coffre-fort où chacun venait se servir et qui était ouvert à tout le monde. À la toute fin des années 70, le conte de fées vire au cauchemar. Non seulement l'activité pétrolière s'est développée, mais des scientifiques découvrent du cadmium dans les eaux de la Gironde. Un métal lourd, polluant, dangereux pour la santé. Le ramassage des huîtres est aussitôt interdit. C'est la catastrophe. L'équivalent local de la mort de la sidérurgie dans l'est de la France. Beaucoup baissent les bras, mais Doudou s'acharne. Elle a l'idée d'acheter de jeunes huîtres saines à Arcachon qu'elle élève ensuite dans les marais que le cadmium n'a pas contaminés. Et ça marche. Les pouvoirs publics finissent par autoriser une poignée d'ostréiculteurs à continuer de travailler. Au départ, on avait un peu l'impression du pot de terre contre le pot de fer. On n'avait pas beaucoup, on n'était pas nombreux pour faire ça. Et puis, petit à petit, on s'est démené, on s'est battu, on s'est obstiné. Parce que c'est quand même des métiers où il faut des investissements relativement lourds. Et quand on est jeune, qu'on n'est pas aidé par la famille, qu'on n'a que sa force de travail, c'est pas évident d'avoir de la trésorerie d'avance. Et puis les banquiers sont frileux, c'est la croix et la bannière pour trouver un banquier qui vous suive, quoi. Et ça, c'est dramatique. Or, si on y réfléchit, les entreprises individuelles, c'est elles qui font la moitié des emplois en France. Oui, mais dans une région comme ça, c'est même encore beaucoup plus. C'est encore beaucoup plus. Les victimes de la crise de l'huître n'ont guère le choix. Quelques-uns se font embaucher sur les docks de Bordeaux, d'autres deviennent pêcheurs. Jeter des filets un jour à l'océan, un autre sur la rivière, gagner de quoi s'acheter son propre bateau et partir au large. Ça a été le choix de Vicky. Si tu peux faire une vie avec un métier comme ça, pas forcément pour loger des millions à la banque, toi, mais déjà pour vivre quelque chose qui te plaît. Lever des filets, lever des casiers, et pas dire « je m'en vais au travail ». Nous, dans les termes maritimes, on dit on attend que le poisson atterrisse, c'est-à-dire du large pendant les migrations, il vient à terre. C'est quand même intéressant, quand tu arrives dans des coins comme chez nous, de pouvoir aller sur un marché où tu peux discuter avec un pêcheur, vous avez pêché, quoi, comment, bon, le poisson est frais, il est de la journée, toi. C'est ça qui est sympa, ça donne, c'est l'identité d'un coin.
L'eau. Pendant 20 ans, Vicky a gagné sa vie comme des centaines d'autres, avec la sole, le bar, les crevettes, avec l'alevin d'anguilles. Assieds-toi, couche-toi. Aldo. Sur la rive nord de la Gironde, on dit la civelle, et au sud, on l'appelle la pibale. Peu importe, les Chinois la paient une fortune, jusqu'à 800 euros le kilo au début des années 2000. Je vais passer par là, mais je sais pas s'il y a des trucs en travers. La parenthèse enchantée ne dure pas longtemps. Le filon diminue, et c'est à nouveau la crise. L'Europe réduit les périodes de pêche, interdit les exportations vers l'Asie, fixe les prix vers le bas. Arrête ! Les pêcheurs abandonnent la pibale et pour beaucoup la pêche tout court. Vicky résiste plusieurs hivers, mais il finit par baisser les bras. C'est Ludo. Le voilà, Ludo. L'ami Ludo, lui, n'avait pas le choix. Trop jeune, avec des investissements trop lourds. Ça va, Ludo ? Ah, t'arrives, t'as amené le bateau, merde. On t'a loupé, alors. Non, mais c'est... Hein ? Ouais, d'accord, mais on va se garer, là. Je vais y partir à l'eau, t'as fleur. Je me suis déjà vu partir à l'eau, là. Donc là, c'est une petite anguille. Moi-même, c'est deux yeux, là. Oh, ça paye, hein. Faut que la main soit un peu humide parce que autrement elle va vite sécher quoi. Donc là elle est maigre cette petite anguille là, elle est très maigre. C'est des anguilles de fin de migration. Apparemment elle mettrait 2 ans pour faire la migration de la mer des Sargasses hein, jusqu'à chez nous. Et je vais te navire. Hein. Mais t'as refait pas mal de trucs sur ton bateau. Le bateau a été refait, 80 000 euros de travaux. Ah quand même. Et ils t'ont tout plastifié quoi. Eh ouais, ouais. Ah ouais, c'est nickel. Hein. Tu vas pouvoir aller au chalet. Avec l'instauration des quotas de pêche, les contrôles contre le braconnage ont été renforcés, ce qui exaspère les derniers pêcheurs officiels comme Ludo. Ludo, tu passes une moutte devant ou quoi ? T'as rien. Eh là. Pour débarquer mon poisson du bateau, pour l'amener chez moi, je suis obligé de faire une fiche de pêche pour traverser la route. Là, il y a peut-être un bateau qui va rentrer là. On l'entend, le bateau rentrer. Ouais, ouais. Il doit chercher le port, là. C'est vrai qu'ils nous ont pondu ça il y a quelques années, quand je pêchais encore, moi, où il fallait peser à bord du bateau. Tes pibales, avant de sortir du bateau, même si ta voiture est à 30 mètres. Si tu sors ton poisson sans avoir fait ça, tu peux être contrôlé, ça peut te coûter dans les 2000 euros d'amende. Il était 4h du matin, 4h30 du matin, j'arrive, moi je mets dans mon bassin, et je m'en vais dormir. Les flics qui m'arrivent pas, contrôle. Qu'est-ce que vous avez ? Des pibales. Elles sont où ? Dans le bassin. Combien il y en a ? Votre fiche de pêche, elle est remplie ? Non. Demain matin, quand je me lèverai, quand je nettoierai mes pibales. Allez, au tribunal. Voilà le bateau. Elle est dans le brouillard. Je le laisse rentrer et après je sors. Quoi. Après, je ne vais plus avoir d'eau. La pibale a longtemps permis aux pêcheurs d'investir dans l'achat de bateaux mieux équipés et répondant aux normes nouvelles. Maintenant, il leur faut s'adresser à la banque, se soumettre au crédit, obéir à des règles supplémentaires. Tout ça, ça vient de l'Europe. Hein. C'est pas... Voilà, hein, c'est tout. Et puis les députés, tous ces gens-là, ils suivent le fonctionnement. Hein. Ils savent pas de quoi ils parlent en plus. Ouais. Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas les... la c'est pêche. Ça, le pire. Ils connaissent pas la pêche et ils nous créent des lois... À tort ou à raison, les petits pêcheurs se sentent abandonnés, peu écoutés en tout cas. Rares sont les politiques qui évoquent leur situation. Ceux qui le font marquent des points. Il en faut de l'écologie, mais il ne faut pas de l'extrême. Là, c'est de l'extrême. Moi, je suis pour fermeture, 3 mois de pêche terminée. C'est ouvert jusqu'en fin avril. Dans le fluvial, c'est là, il n'y a plus le braconnage. Et puis, ils les vendent, hein. Et puis, ils ont raison. L'uranium qu'on vend. Vous pouvez leur dire, on vend de l'uranium. On n'a rien aux hommes politiques dans notre pouvoir, hein, dans nos poches. Hein. On vend de l'uranium. Et le nom de votre bateau, vous l'avez changé volontairement ? Ouais, il s'appelait le Jeannot. Il s'appelait le Jeannot et je l'ai appelé Bleu Marine. Depuis quand ? Ça va faire ma 4e année que j'ai fait celui-là avec ce bateau. Je pense que ça va gérer plus intelligemment. Ça va voir. Comment j'en vis, comment ça se passe. Eux, ils s'en branlent.
on l'a pas essayé, et puis moi je suis pour que la France gère. Ah, faut arrêter. Moi c'est pas du racisme, je suis pas raciste du tout. Ah, pas du tout. Mes meilleurs amis souvent ils sont noirs ou arabes, alors. Ah non, c'est rien à voir la couleur. Les gens ils veulent lui mettre le truc de son père, mais ses idées sont intéressantes. Moi c'est ses idées. Les Anglais c'est moins côté, ils sont barrés. Bon, on vous sent bien en colère. Mais j'ai toujours été remontant. Dans les brumes de l'estuaire, la colère monte, tout doucement, sans faire de bruit, mais inexorablement. Jean-Louis a renoncé aux huîtres, à la pêche, puis s'est réfugié dans son jardin. Là, il collectionne les graines anciennes, plante des arbres, travaille le bois. Autrefois, il construisait des bateaux à la main, mais capables d'affronter le grand large. Ces embarcations ont fini par ne plus correspondre aux normes, elles non plus. Alors Jean-Louis utilise son bois autrement. J'ai fait le bateau spécialement pour pêcher les pibales, ou la civelle, c'est la même chose. Les bateaux, ils ont tous été abandonnés, ils ont pourri sur place, ou ils ont été bougés, et puis voilà, quoi. On n'en a plus. Le dernier que j'avais, là, l'année dernière, je l'ai vendu 50 euros, d'accord, pour me débarrasser. Et le gars est bien content, il a un lac et il se promène dessus, on lui demande rien. En le mettant à l'étau, je le mouille, je le chauffe et je le tords pour qu'il revienne. C'est toujours un bateau. Ah oui, un peu, c'est toujours le même système. Hein. Et tu vois à peu près, hein, l'arc il est. Ça devient flexible. Puis quand t'as fini, des fois, il marche pas ou ça va pas, mais tu fous tout au feu, je le recommence. Voilà, là, c'est mieux. Ça s'approche. Voilà, j'ai plus de flèches. Bonjour. Oui, bon, on prend celui-là. Voilà un arc. Voilà, vous voyez comment il est plié là. Là, je ne peux pas tirer, sans ça, je traverse la baraque. Là. Voilà. Ça, c'est du rotin, mais on peut le faire en. Madame Barra, elle en a un en noisetier. Et qui tire aussi bien. Bon, ça, ça peut servir pour la chasse aussi. Mais je dois être écologiste, je ne chasse pas. Moi, je sais qu'avec mon père, on allait à la pêche au filet dans le chenal. Mais les poissons, ils sautaient dans le bateau. Ah oui, des mules, ils sautaient dans le bateau. Alors, des fois, on n'avait même pas besoin de poser le filet. Le chenal, il n'y a plus rien. À part quelques anguilles. Je pense que c'est la pollution, déjà. Il y a une pollution, puis, c'est sûr, plus ou moins. Mais. Peut-être la pêche intensive, quand même. Hein. Il y a de la pêche intensive. Ces bateaux qui ont des filets de je ne sais pas combien de kilomètres. Non, mais il y a des chalutiers qui ont 100 kilomètres de filet. Il n'y a plus d'oiseaux. Il n'y a plus d'oiseaux, ça a diminué. Il n'y a plus de poissons. Et puis c'est interdit. Voilà. Voilà. Donc on ne peut plus se suffire à nous-mêmes, quoi. Il ne nous donne pas d'explication, c'est interdit. On ne peut plus rien faire. Alors, c'est ça, et encore, quand ils nous le disent, parce que des fois, ils nous filent un procès avant de savoir si, que c'est interdit, quoi. Oui. C'est arrivé petit à petit, quand même, hein. Voilà. Oui. Pour pas qu'on se révolte trop, quoi, quelque part. Ça a été une affaire politique aussi. Voilà. Et puis le problème, c'est qu'on est divisé. Ça, c'est idiot. Parce qu'on ne serait pas divisé, mais il y a longtemps qu'on nous aurait foutu en l'air, hein, les politiques. Là. Parce que c'est pas normal, quoi. Moi, je discute avec tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux ?
Après, c'est le progrès, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, moi, une fois, je les ai, j'en ai vexé beaucoup en réunion, de la commune. Il parlait, le maire est socialiste, il a le droit, c'est son affaire. Bon, moi, à un moment donné, j'ai dit, je n'irai pas casser la gueule à un arabe qui se promène dans la rue pour le plaisir. Par contre, j'ai dit, je casserai bien la gueule à certains politiques, ça me ferait du bien. Eh bien, depuis ce jour-là, il y en a qui sont plus d'accord avec moi. Hein. Et il y en avait d'autres à côté qui disaient, ah ben ça, on aime entendre parler comme ça. Merci. Au revoir. Je vais recommander un gascon, mais moulé. Oui. Pour samedi, n'est-ce pas? Oui. L'ambiance est plutôt bon enfant. Difficile de déceler sur les visages cette colère sourde qui explose désormais à chaque élection. Combien jamais de Carmelo? 20. 15. Vous n'en voulez pas 20? Allez, si, 20. Sur les rives de l'estuaire, on vote radical, extrême, anti-système. On dit à voix haute ce que l'on pensait tout bas. La mondialisation, l'Europe, les géants qui veulent contrôler la pêche, l'agriculture et jusqu'aux graines des jardins potagers, tout cela fait peur. Ah oui, c'est vrai? Mange des produits bio, ça va te rajeunir. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais j'en mange, c'est sûr. Allez, au revoir. Tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Le maire de Saint-Vivien écoute, tente de rassurer, agit surtout. Le petit commerce est pour lui une priorité. Encore besoin, hein? Et bonjour, madame. Bonjour, monsieur le maire. Défendre un marché vaut tous les discours sur le lien social. On peut aller? On peut aller? Ouais. Moi, ma grande surface, je régis tout à Saint-Vivien. Je pars de la mairie jusqu'à l'école, ma grande surface est liée. Et vous voyez, il y a certains... Parce que j'ai tout dans le centre. Il y a certains maires, là c'est pour faire un peu de polémique, il y a certains maires dans le coin, ils ont été beaucoup moins intelligents. Vous voyez. Ils avaient par exemple un village avec tout, et puis un jour ils ont décidé qu'ils allaient y mettre une grande surface. Vous voyez. D'un village qui n'est pas loin. Hein. Et puis là, vous voyez, il n'y a plus rien, il ne reste plus que la grande surface, là, parce que l'épicerie qui est en face, elle ferme l'année prochaine, je vous l'annonce. À peu près, on va dire ça comme ça, on va rester comme ça. Je pense que ça doit être le supermarché en France qui doit le moins bien tourner et qui a quand même réussi à niquer un village. Bon, je te dirai pas qui c'était un représentant d'une grosse chaîne, genre la compagnie, qui est venu me voir. Ils étaient venus, c'est au début où j'étais élu, ils sont venus à deux ou trois, il y en a plusieurs qui sont venus. Et il y en a un qui m'a dit, bah, écoutez, monsieur le maire, en résumé, vous n'avez qu'à crever, vous et votre petite commune. Parce que j'ai interdit de venir s'installer sur Saint-Vivien. Tu as des gens qui viennent un peu de partout. Parce que tu as des producteurs, par exemple, aujourd'hui, là, tu as des producteurs d'asperges qui sont d'Ourthain. Dans un mois ou deux, tu vas avoir des producteurs de tomates, des petites gens qui se font leurs tomates chez eux et qui ont le droit de venir les vendre ici. Le monsieur, il veut des tomates anti-gel. Et anti-vol. Et anti-vol aussi. Oh. Les jeunes quittent la région faute d'avenir. Ils sont remplacés par des retraités qui n'ont plus les moyens de vivre en ville. C'est sans parler des vieux paysans. À la campagne, il y a encore des petites retraites. Des gens qui touchent 600, 700 euros. Moi, j'ai ma femme qui est infirmière libérale. Elle me dit, mais tu vois, j'ai été chez telle ou telle personne. Et bien aujourd'hui, ils mangeaient, mais il faisait froid chez eux, je parle d'hiver. Hein. Ou alors elle me dit, eh bien, ils se chauffent, et ils n'ont pas grand-chose à manger. Allez, à Saloué. 2,50, s'il vous plaît. Tu veux des retours? Tu veux des sorocs? Le marché de Saint-Vivien attire du monde, hiver comme été. Pour les petits commerçants, c'est une véritable bouffée d'air. Moi, vous voyez, j'ai deux employés. Et le gros problème qu'on a, c'est qu'on a énormément de travail l'été. On est même obligé d'en prendre d'autres. Par contre, l'hiver, pour arriver à payer deux salaires, c'est très compliqué. Il y a trois mois dans l'année où c'est très compliqué. On équilibre, c'est-à-dire qu'en gros, on gagne très bien notre vie pendant 5-6 mois et on accepte de perdre un peu d'argent pendant 2-3 mois et puis d'être à zéro pendant les trois autres. Et après, on gagne notre vie sur 6 mois. Mais c'est très compliqué. Si vous avez la chance de trouver un boulot à l'année, il y a quand même il y a quelques artisans, il y a des maçons, il y a quelques trucs. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez. Après, ben, une grande majorité, ben, ils attendent la saison. Hein. Les jeunes, c'est en gros, vous êtes maintenant... Ils travaillent 6 mois par an. 6-7 mois par an. Ou alors ils s'expatrient. Ou alors ils partent. Pour vivre son temps. Mais le temps, il n'est pas forcément facile à vivre.
Je n'ai plus de curé, mais il me reste l'église et les cloches. Pour l'instant. Jusqu'à ce que quelqu'un n'aime plus le bruit. Hein. Oui, c'est... Ça peut arriver, ça. Hein. Voilà, ça c'est un couteau qui coupe bien. Oubliez l'huître, la pêche et l'agriculture. En l'absence d'industrie, le tourisme semble la seule activité capable de créer des emplois. Juste l'été, c'est le problème. Sauf avec les chevaux. Là, il y a de quoi faire toute l'année. Vétérinaires et maréchaux ferrants sont très sollicités. Je fais entre 800 et 1000 km semaine. Parce qu'à la journée, je peux pas te dire exactement. J'ai deux GPS, j'en ai un que je programme pour aller chez le client. Et un que je programme pour le client d'après. Comme ça, je sais exactement quand j'arrive chez mon premier client, combien de temps je mets de route pour aller jusqu'au second, et donc combien de temps j'ai pour travailler. T'as vu l'état des sabots ? Ouais, ils sont un peu craqués. Eh oui. Ok. Et puis comme je veux faire un rallye... Ah ! Où est-ce que tu pars ? Au Gurp. Oh, ça va, tu vas pas trop loin. Non, ça va, ça reste... T'as raison d'un rallye. Oh, écoute, pour une fois qu'il y a quelque chose dans le pays, on va en profiter. Eh bien, mon grand, voilà. Non, c'est pas la cata. Non, mais je préfère la ferrer, t'as vu, elle est vachement... Ouais, surtout si tu marches un petit peu sur... Ouais, comme on sait pas si on passe sur l'issue. Sur les cailloux, tout ça. Le pain. Moi, quand je me suis installé, je me suis dit, je fais pas ça pour m'enrichir, je fais ça pour m'en sortir financièrement. Parce que j'aime ce métier et que bah, c'est le matin, même s'il faut se lever très tôt, bah, j'aurai pas de mal à me lever. Parce que je vais faire ce que j'aime. On le met à l'envers. Et après, il faut qu'on aille sur l'enclume pour adapter exactement le fer à la taille du pied. Quoi. Donc là, il n'y a pas besoin d'allumer le gaz, d'attendre pour que ça chauffe, pour faire de la fumée, du bruit. L'odeur de la corne, mais ça passe pas à l'écran. Allez, Fifi, mets les chaussures. Pour en vivre, il faut au moins 450 chevaux, je dirais, dans la clientèle. Pour réussir à travailler un peu tous les jours et gagner sa vie, quoi. Allez. Trop mignonne. Hé, grandes oreilles. Moi, quand j'étais gamin, je me suis pas dit je vais être maréchal ferrant. Je voulais être cavalier, je voulais sauter des obstacles, galoper, je voulais pas prendre des pieds, nettoyer toute la journée, quoi. C'est pas forcément, c'est pas attractif au premier regard. Après, ce qui est attractif, moi, ce que j'explique aux jeunes, c'est que dans ce métier-là, on peut être son propre patron avec très peu d'investissement au départ financier, par contre. Moi, je vais travailler à Bordeaux tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, je fais 5 km aller, 5 km retour. Pas de choix. Après, on aime bien quand même vivre comme ça. Oui, mais on a, c'est un choix. Un petit peu caché, tu sais, c'est comme oui, ça. C'est, voilà, c'est on un heureux, choix. On est caché, quoi. Mais c'est-à-dire que lorsque... C'est vrai que ça va moins vite ici. Il y a même plein d'endroits où on capte même pas le téléphone. Les gens voient les pubs à la télé, ils en sont à la 4G. Nous, on n'a même pas le téléphone portable ici qui passe. Voilà. Donc, et nous, on a part, on n'est pas emmerdé par le téléphone. On a Internet depuis le début de l'année. Ah, pas mal. Avant, on avait Internet quand ça voulait venir. Maintenant, on l'a régulièrement. Mais par contre, lorsque vous êtes dans la nature la plus complète, où vous voyez que de la nature, c'est formidable. Le mot est lâché. C'est bien à cette nature incroyable que les habitants sont attachés, viscéralement. Refuge absolu, la cabane de chasse. Celle de Riquet, le frère de Vicky, est située au milieu de nulle part. Fils de G.I.s américains et petit-fils d'Indiens Cherokee, Vicky et son frère aiment rappeler qu'ils ont appris à marcher sur l'eau à la grande époque de l'huître. Les marais existent depuis des siècles. Ils ont donné du sel bien avant de permettre l'élevage d'huîtres. Les humains les ont créés, protégés, entretenus pour que la faune puisse s'y épanouir. Ici, les frères viennent chasser, mais plus encore s'isoler, observer les étoiles, rêver.
Ils sont contents quand même, les canards, quand même, de les poser là un peu là. Ouais, parce que toi, la chasse est finie, donc ils y vont plus. Il y a une aigrette, hein, qui c'est le signe que la chasse est finie. Elle se pose toujours dans le coin de la digue. Alors tu la vois arriver. À la fin de la nuit, le jour se lève, on appelle ça la passée du matin. Et quand les grêtes arrivent, on sait que la passée est finie. Non mais c'est barjo, c'est... puis tu peux y aller. C'est les mâles qui chantent comme ça. Et les cannes attaquent derrière. Il y en a un qui a posé devant, au fond. Et lesquelles lumières avant? Et toi là? Entre les plastiques et les lumières, on voit le point noir, tu le vois? Il est tranquille. Ouais. Ah ben là, l'avenir pour moi, il n'était pas voyant, quoi. Hein, parce que, bon, la petite pêche est moins protégée que la grande pêche industrielle. Hein. Moi, j'ai risqué ma peau parce que bon, on a quand même des charges. Hein. Tu payes l'URSSAF, tu payes la caisse retraite, tous les services maritimes et tout ça. La sécurité, le bombard, voilà. Le gasoil que tu mets. Je compte pas les filets de pêche et tout ça, mais ça représente de l'argent. Quoi. Moi, sur 3 ans, ouais, je me suis quand même bien planté. Et là, bon, j'ai une petite maison, mais bon, voilà, j'avais pas trop envie commencer à envisager de la vendre, quoi. J'ai une petite retraite de marin. J'aurais aimé aller un peu plus loin, mais bon, c'était compliqué pour pas forcément gagner beaucoup plus d'argent. Et puis bon, le problème, c'est de pouvoir travailler, quoi. C'est ça, c'est... Il y a beaucoup d'interdits, c'est compliqué, quoi. J'ai cassé mon bateau, parce qu'ils font des plans de sortie de flotte. Ça, c'est des lois européennes. Donc, ils te donnent une somme d'argent, hein. Bon, tu casses ton bateau, t'as les boules. D'autant plus que je ne pouvais pas négocier de garder mon bateau pour faire la plaisance avec mon bateau. Tu vois, je ne pouvais pas négocier ça, niet. Mais en fait, c'est juste un papier que j'ai perdu. C'est la licence de pêche. Voilà. À la limite, les autorités pourraient être un peu plus conciliantes. Vous avez un bateau en bon état, maintenant, on le sort des bateaux fichiers pêche et vous le gardez en plaisance. Même s'il faut payer une petite taxe supplémentaire. Niet. On est dans une démocratie un peu comme ça, où c'est tac. Vicky a choisi de peindre un monde englouti, fait d'épaves et de fantômes. C'est sa manière à lui de ne pas se laisser submerger par le temps présent. Mis bout à bout, tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon moralement, quoi. C'est, ouais, c'est comme ça, hein. Mais moi, ouais, j'aime bien peindre quand même, faire mes petits tableaux. Allô? Plein de choses se sont cassées la gueule petit à petit, sans vraiment que par derrière, il y ait eu des volontés d'aider, de faire des choses, tu vois. C'est parti un peu l'abandon. Mais on n'a pas abandonné le coin, toi. Mais en fait, malheureusement, les enfants sont obligés de se barrer quand même, hein, parce que il faut gagner sa vie, quoi. Donc. Oui, vous pouvez pas aller les sacs. Sonne, elle est là. Puis elle va t'expliquer avec toi. Parmi les sujets qui fâchent, il y a la chasse, presque toujours mal vue par les gens de la ville, mais qu'ici on pratique, comme la pêche ou la cueillette des champignons. C'est les derniers jours de chasse pour la Bécasse. Et étant donné que c'est la seule chasse que je pratique, je m'échappe quelques heures, comme là, je vais rentrer vers 9h30, 10h.
J'ai pris mon fusil, oui. Et tu vas chasser, tu vas en voir 5 ou 6 parfois, et après tu vas rester pendant 2-3 jours sans rien voir du tout. Viens ici! Viens ici! Juste un petit coup de musique, et il revient. Viens là, là, allez. Attaqués par les écologistes dans les années 80, les chasseurs n'ont jamais su trouver les mots pour défendre leur point de vue. Il y a quelque chose de part et d'autre, les préjugés l'ont emporté. La campagne contre la ville, la modernité contre les traditions. Les esprits se sont crispés. Je ne détruis pas. Lorsque j'ai tué 7 ou 8 casques comme cette année, 5 l'année dernière. Pour défendre la tourterelle, les militants écologistes ont affronté les chasseurs avec des caméras et des vedettes de cinéma. Plusieurs années de suite, le choc a été frontal, violent. Les chasseurs ont dû s'incliner. Oui, Gabi. Le sentiment d'avoir été incompris est resté. Mais je suis où j'ai été hier. Et j'ai bientôt fini, je n'ai rien vu du tout. Tu es à l'unisson avec la nature. Tu fais le vide dans ta tête. Et ça, quelque part, on en a tous besoin. Moi, ça me fait monter des... Ne serait-ce que parler de ça, tu vois. La nature. Nous souffrons, elle souffre. Tu viens, mon cher. Comment ne pas avoir conscience aujourd'hui que les polémiques sur la chasse sont bien dérisoires ? Les enjeux écologiques des zones humides et des forêts devraient inciter à la mobilisation de toutes les intelligences. Là, je crains les gros, là. Exploiter les richesses de la Gironde de façon écologique n'est plus une utopie. Certains ont tenté de réintroduire le saumon ou l'esturgeon. Bertrand Jung, lui, a développé l'élevage de gambas sur une centaine d'hectares de marais. Ils sont de gambas maison, pas de colorant. Et il y a des emplois à la clé. Ah non, là, ça va refroidir un peu, ça va refroidir en chambre froide, après ça va à la vente. Mais on va être bien. Bertrand Jung participe maintenant à la renaissance de l'ostréiculture. Il rêve d'exploiter les coquillages locaux, d'élever des poissons. Moi, je suis arrivé ici, c'est vrai qu'il y a une trentaine d'années. J'arrive après le pays de Cocagne, c'est-à-dire là où on pouvait chasser ce qu'on voulait, pêcher ce qu'on voulait, où il n'y avait aucune règle. Et les règles les ont rattrapées. C'est-à-dire, c'était un des derniers endroits, je dirais, où effectivement, parce qu'il y avait de la matière aussi. On pouvait taper dedans, je veux dire, il y avait de la ressource. Aujourd'hui, il n'y a plus cette ressource. La pibale elle-même pourrait devenir le symbole d'une révolution tranquille sur l'estuaire. Celle que l'on pêche aujourd'hui est destinée à repeupler les rivières d'Europe. Pourquoi ne pas la faire grossir ici, dans les marais, le temps qu'elle prenne des forces ? Je vais avoir une vision d'un éleveur, c'est pas forcément compatible tout à fait avec celui qui pêche. Celui qui pêche, il prend dans la nature une ressource et puis il la valorise comme il peut. Le problème de la civelle, c'est qu'il n'est pas lié à la pêche exclusivement. Quoi. On a voulu le cantonner à la pêche en disant ben, ils ont trop pêché la civelle et donc c'est eux les méchants. On a trouvé le bouc émissaire. C'est jamais si simple. Et la civelle disparaît parce qu'il y a 6-7 bonnes raisons, je dirais, qu'elle disparaisse. Il y a les barrages, il y a la pollution. Hein, les hormones, les antibiotiques, dont tout le monde coupable. Hein. Il n'y a pas les pesticides, l'assèchement des zones humides. Hein. Pourquoi il faut les maintenir ? Parce qu'il faut bien des endroits pour qu'elles grossissent. Et quand vous avez l'anguillicola, qui est un parasite qui vient des États-Unis. Donc quand vous avez mis tout ça, bah, vous avez déjà bien réduit la ressource. Et il reste effectivement, qui c'est qu'on voit apparaître ? On voit le pêcheur qui pêche, qui reste. Bon. Donc on dit c'est lui. Mais si on enlevait tous les autres facteurs effectivement, de disparition de l'espèce, on ne se serait jamais posé la question de savoir s'il y avait besoin de quotas. On est quand même en train de pêcher un algue.
Donc est-ce qu'au niveau de la pêche, on n'est pas, on devrait pas se poser la bonne question et dire on arrête de pêcher les poissons quand ils sont en maturation, plein d'œufs, ou quand ils sont sous stade d'alvin. Voilà, c'est tout. Ça, à mon avis, c'est l'autre réponse qu'on peut faire, c'est que la pêche se réforme et en disant on arrête cette connerie de pêcher un alvin, même si c'est bon. L'élevage de la pibale, comme du poisson en général, est loin de faire l'unanimité, y compris dans les rangs écologistes. En attendant, les petits pêcheurs refusent d'être pris pour unique cible. Les pibales, ça monte toujours en Asie, mais c'est toujours les mêmes qui font la queue de but, c'est les gros, c'est pas nous. Ouvrir l'Asie, et en haut, à Paris, nous ouvrir les portes pour travailler. Au lieu de nous donner du travail, ils empêchent de travailler. C'est le bazar. Le nombre des bateaux qui sillonnent l'estuaire ne dépasse pas la soixantaine, soit 5 fois moins qu'il y a 25 ans. Les bateaux usines, eux, continuent de ratisser les fonds au large sans que personne ne les en empêche efficacement. Et maintenant, parti comme c'est parti, la politique qu'il y a, les bateaux, ils les cassent. Quand ils font des plans de casse, de sortie de flotte, et les licences sont détruites. On n'a plus de licences. On n'a plus de licence pour les jeunes qui veulent rentrer, s'il y avait des jeunes qui rentraient. Alors, au bout d'un moment, mais il n'y aura plus de bateaux. Ils veulent nous virer de l'estuaire, hein, c'est ça. Hein. Ils ne veulent plus que le tourisme, là, en fin de compte, de chez nous. A une liberté de vie qui est extraordinaire, un paysage qui est extraordinaire, et les gens ne sont pas contents parce qu'on nous met des bâtons dans les roues en permanence. De plus en plus, c'est des interdictions de tout, des dehors, des grillages partout. Les grillages se rapprochent de chez toi après. L'Europe ne nous a pas aidés. Enfin, nous, ici, dans le Médoc, c'est ce qu'on ressent. Quoi. Toi, l'Europe a passé son temps à nous casser. Quoi. Il y a deux personnes qui ont fait une fracture au niveau des politiques traditionnelles. C'est deux, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est deux qui sont deux bombes atomiques tous les deux, face à face, mais ils ont fait une fracture par rapport aux politiciens traditionnels. Quoi. Et c'est vrai, voilà, c'est deux gens qui parlent des vrais problèmes de ce qui se passe en France, quoi, et par rapport à l'Europe et tout le truc. C'est des gens qui sont dans la réalité des choses. Quoi. Bon, après, chacun a sa préférence, c'est pour l'un ou pour l'autre. Après, il y a les partis politiques et ça. Mais ces partis politiques, ben, il y a une fracture, c'est fini, les gens en ont marre. Quoi. Au premier tour de l'élection présidentielle, les partis traditionnels ont été balayés, comme partout. France Insoumise et France En Marche ont fait des scores importants. Marine Le Pen, elle, a battu des records. Pourquoi la poussée du Front National ? Ben, j'avoue que je ne comprends pas, parce que, enfin, comme disait un copain il y a longtemps, le Front National, il donne de mauvaises réponses à de bonnes questions. Bon, c'est vrai, mais t'es... Et voilà, et les gens s'imaginent que ça va être. Alors, l'argument du discours, t'en as qui te disent, ah ben oui, on va voter Front National parce que ils n'ont jamais été au pouvoir, alors on peut bien essayer. Et puis si ça marche pas, eh ben on changera la prochaine fois. Et oui, sauf que... C'est un peu dangereux de raisonner comme ça. C'est quand même un parti qui est bombardé, quoi, qui est bombardé en permanence par rapport aux autres partis politiques. Et ça, je pense que ça crée une animosité par rapport à tout ce qui est médiatique par rapport à elle, et le peuple se rapproche d'elle. Bon, on va voter. Ben oui. Hein. J'ai été élu dans les années 90, ça fait un peu plus de 20 ans. Nous avions 50-60 personnes qui votaient FN. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à 400 sur 1300 votants. Donc il y a des questions à se poser, c'est sûr, sur notre région. D'autant plus que nous avons un conseiller départemental
qui est Front National. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le drapeau de l'Europe, bonjour, le drapeau de l'Europe et le drapeau de là. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si on était sur des municipales, il y en aurait, enfin je ne sais pas, je ne veux pas vanter ni quoi que ce soit, mais il y a au moins 70% ou 80% qui voteraient pour moi. Mais là, c'est une élection nationale. Il faut bien se dire, c'est sûr que dans le Nord-Médoc, il y a du ras-le-bol parce que nous sommes loin de tout, parce que voilà quoi. Dans une poche, une douzaine, oui. Et dans une autre poche, trois douzaines. Allez. Les petites. Ok. Je préfère les petites, alors, elles sont beaucoup plus jolies. Les élus locaux craignent que les résultats du second tour viennent renforcer les préjugés à l'encontre de la région. Le maire de Talé, la commune voisine de Saint-Vivien, exprime le malaise. L'extrême droite en France, c'est entre 2 et 4% de l'électorat. Ça n'est pas 25% de l'électorat. Si des gens se précipitent vers certaines tendances politiques, c'est qu'ils ne trouvent pas de satisfaction ailleurs. Et ils trouvent là des discours qu'ils peuvent entendre, même ces discours, si ces discours sont fallacieux. Mais ce qui est le plus fortement ressenti, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est l'absence de considération de certains à l'égard des autres et à l'égard de ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent ont des droits sur nous, et on l'oublie trop souvent. Il est facile de considérer la société telle qu'elle devrait être lorsqu'on est confortablement installé. Lorsque l'on souffre au quotidien, c'est plus difficile. Au plan national, c'est en tout cas ce que je ressens, cette absence de considération. Il y a des mecs un peu, disons, comme moi, quoi, qui vont au Front National parce que l'autre, disons, on n'a pas trop confiance. Déjà, la confiance des politiques, ils l'ont plus. C'est fini, pour ainsi dire. Il faudra vraiment un bon pour qu'on fasse confiance à quelqu'un. Voilà, c'est... Et puis, c'est comme ça, quoi. Et puis, il faut bien que ça change. Voilà. Il y a des gens qui n'ont plus grand-chose à perdre. Elle est peut-être bonne, hein. Alors allons-y gaiement, parce que si elle est mauvaise, eh bien, on ne votera plus du tout. Si elle passe. Hein. De toute façon, si c'est l'autre, je le trouve un peu prétentieux. Il a quand même du mouron à se faire, hein, parce que ça ne va pas être facile. Hein. Je vais chercher le butin sur la table. Difficile de lire sur les visages ce que sera le résultat, mais la tension est là. Aucun discours officiel ne semble avoir réussi à la faire retomber. Votre carte d'électeur, madame ? Le monde ancien a disparu, mais le nouveau tarde à venir. Et dans le flou du temps présent, les peurs se sont installées, la colère avec. Pour tourner la page, il faudrait pouvoir parler d'avenir, permettre à la jeunesse de travailler dans la région, aux anciens d'accéder à des hôpitaux, aux villages de rompre l'isolement qui pèse. Il faudrait enfin dire comment protéger une nature généreuse, mais menacée, sans en exclure ses habitants. Le sentiment, une heure avant les résultats, je ne sais pas. Je suis dans le doute. Ce qui serait chouette pour nous, c'est que le Front National n'ait pas fait plus et qu'il se cantonne à 30%. Voilà. Macron. Le Pen. Début du dépouillement. Le Pen. Macron. Macron. Le Pen. Le blanc. Le Pen. Pas blanc. Il y a un blanc et Le Pen. Le Pen. Le Pen. Macron. Le Pen.
blanc, Le Pen. Le Pen. Macron. Inscrit 1436. Macron. Votant 1154. Nul 28. Blanc 87. Exprimé 1039. Macron 523 voix. Le Pen 516. C'est serré. Oui. C'est serré. Voilà. Je vous remercie. Ici les crevettes qui sont pas là, quoi. Il n'y en a pas une. T'as pas les crevettes ? Il n'y en a pas une, d'accord. Un morceau. On croit rêver ou presque. Ce maudit cadmium qui a empoisonné l'estuaire et la vie des gens pendant 40 ans aurait pratiquement disparu. Enfin assez pour que la préfecture autorise à nouveau l'huître dans les marais. Exilé depuis longtemps à Arcachon, Thierry Fauchier est rentré chez lui. Soutenu par le maire de Talley, sa commune, il a travaillé d'arrache-pied avec d'autres. En 2017, ces huîtres ont obtenu la médaille d'or de l'affinage au Salon de l'agriculture. Une victoire personnelle, certes, mais offerte en partage à tous les enfants des marais qui n'ont jamais renoncé. On a mis 25 ans, on a échoué deux fois pour le retour de l'huître, mais on a fini par obtenir effectivement de la part de l'administration qu'elle admette qu'aujourd'hui on est en de bonnes conditions, et c'est l'administration elle-même qui a pris la décision et qui a même été un peu plus loin finalement que nous, ce qu'on avait demandé, puisqu'elle a étendu le champ du possible ostréicole à l'ensemble des mâts, c'est-à-dire à l'ensemble de la zone de polder, que ce soit les marais existants ou ceux qui pourraient exister. Si demain on a une filière, même pas très importante, c'est bon pour, je dirais, l'image du secteur, parce qu'on a un produit supplémentaire à proposer, il ne faut pas oublier qu'on a une grosse économie touristique. Et surtout, l'huître permet de maintenir en activité ces marais. Elle nettoie, elle permet la biodiversité, elle stocke du carbone. Ben là, on s'en va sur les plans d'eau où je mets mes huîtres en place, en fait. Pour vous faire voir qu'elles sont élevées dans pas beaucoup d'eau, très peu. Cm d'eau, pas plus, pour que le soleil passe bien à travers et qu'elle se nourrisse bien. On est 7 installés, il y a des demandes, il y a une petite lenteur administrative et puis il faut pour réhabiliter surtout les marais qui ont été demandés, mais c'est long parce qu'il y a des études d'impact, il y a des réflexions à faire et c'est là où ça coince un peu. Mais bon, on espère quand même être une bonne quinzaine ou vingtaine d'entreprises et on espère quelques jeunes qui seraient intéressés, qui pour eux ce serait nouveau. Alors on bouge pas. Je vais attacher. Je serais content de voir plein de gamins se lancer dans des métiers comme ça ici. Ça mettrait de la vie sur les sueurs de la Gironde. On a tout un tas de métiers qui sont où tu croques la nature, hein, la pêche, l'ostréiculture. Après maintenant il y a l'aquaculture qui s'adapte à tout ça, mais voilà, c'est différent. Pour ce coin ici, je pense que développement durable, c'est tout ce qui concerne des métiers en rapport avec la nature. Puis quand tu pêches, quand tu fais des sous, quand tu t'enquiquines pas, quand tu veux changer les tuiles de ton toit, tu payes un mec pour te le faire. Il faut tourner comme ça. Un pays, il faut qu'il tourne comme ça. Donc il ne faut pas merder les pêcheurs, les ostréiculteurs et tout le truc. Depuis l'âge de 3 ans, je suis sur un bateau. Ça fait aussi.
faire autre chose, je ne me vois pas chez un patron. Moi. Même sur un autre bateau, je ne me vois pas. Ça, c'est sûr. Si on prend le temps d'écouter, de lire dans les pensées, derrière les coups de colère, il y a des sentiments profonds, puissants, comme l'estuaire, ses vents et ses marées. On n'abandonne pas un univers pareil, surtout s'il est menacé. Pêcheurs, ostréiculteurs, paysans aussi ont un rôle majeur à jouer pour le préserver. L'équilibre du milieu naturel va de pair avec la paix des esprits de ses enfants.